fait de la décoration pour les chambres marmailles. Nous, on commence par les tapis de rosace. Après, nous fait les prénoms en lettres, bonnes affaires comme ça. Nous, voilà, on a fait aussi des mobiles. Après, nous, on la lance à nous vraiment dans tout ce qui est doudou, poupée, un petit peu tout. Après, nous, on la laisse à nous aller. Nous travaillons en famille, donc nous les trois. Donc, on a ma sœur, Manuela, ma maman et moi. Ma maman, à la base, elle est couturière. Donc, c'est elle qui a appris à nous plus ou moins comment faire. Sauf que moi, je ne touche pas la machine, ce n'est pas mon affaire. Moi, c'est plutôt à la main. Et ma sœur, elle, c'est la technicienne. Quand on a un petit problème, elle y arrive, elle essaye de trouver la solution pour que les affaires tiennent debout, quoi. Et moi, derrière, ben, m'y fait les finitions. Alors là, vous travaillez sur un baba. Normalement, c'est moi qui fais les cheveux. Mais là, c'est maman qui l'a fait. Elle a fait les cheveux. Moi, m'y fait après le visage. M'y donne aller une expression. Nous, tout y travaille pas, nous fonctionne pas de la même façon. Donc vraiment, nous travaillons sur les idées des uns des autres. Et ben voilà, elle a fait comme ça en fait. Mamie regarde un petit peu partout, elle regarde ce qui se fait en magasin. Des fois, on peut regarder des trucs basiques. Et après, ben, on broie des affaires ou même. Ou peaufine, voilà, ou change, allez, ou fait outsource. Sinon, ça, il regarde sur YouTube, il regarde un petit peu sur Internet pour inspirer à moi aussi. Et là, que ça, ou la poufille, là? Il est en train de faire un Playmobil. Voilà. On est là, la toute petite poupée, avec son petit lit, son petit doudou chat, son petit oreiller. Là, il est là, il est complet, il est là. Depuis comment t'es petit, mal aimé le couture. Donc, mal continué. Et comme maman était petite, mal comment je fais, ben, maman prend une machine. Donc, on t'écoute à la main. T'as fait des robes, t'as fait des pantalons, tout pour ça. Pour aller à l'école, tout ça là, pour aller à la messe, tout. Ben, après, jusqu'à ton maman a commencé, après, on a redonné une machine, elle a commencé à coudre pour le monde. Voilà. Fait des vêtements pour le monde, le monde c'est bien. Ils ont dû habiller poupée. Oui. Il y a habillé, il cherche des modèles. Et des fois, le soir, quand on dort, la tête, il travaille pour quel modèle, ça met du tel poupée. Comment on met ça, genre de tissu, ça sera joli. Nous travaillons avec du tissu 100% coton, exprès pour marmaille, parce que les amener à être manipulés, donc du coup, il vaut mieux utiliser du tissu que les tout doux pousottes. Nous avons un tissu velours exprès aussi dans les pieuvres là. Nous utilisons exprès tissu pour bébé. Donc toute la partie féerique, c'est plus moi. Ma nena a une formation littéraire. Donc du coup, tout ce qui est fantastique et tout ça, m'y adore. Mythologique et tout ça. Nous répondons aux commandes, des commandes un peu spécifiques parfois. M'y présente ça autres le chaton laveur. Le chaton laveur, les seins. C'est ma nièce. Un jour, la tient comme ça. Ma reine, pour mon anniversaire, elle veut un chaton laveur. Elle demande à lui plusieurs fois, c'est quoi il a un chaton laveur. Au bout d'un moment, elle a fini par dire à moi, un chaton laveur, ma reine, les simples, c'est un chaton qui lave l'heure. Donc voilà, elle a fait son petit chiffon, elle a fait sa petite montre. Et là, son grenouillère. Donc c'est vraiment le chaton qui lave l'heure.